En tout cas, bonjour et bienvenue sur ce petit let's play sur Shadow of the Colossus qui est mon jeu de cœur. J'ai encore mon petit collector PS2, enfin mon petit collector, ma version boîte cartonnée avec les petites cartes postales et tout des monstres. J'y avais déjà fait sur PS3, j'avais trouvé génial. Et puis écoutez, là c'est encore mieux. Donc on s'est mis en mode graphique. Privilégier la résolution, privilégier la fréquence d'image. Je sais pas si vous voyez la différence, mais en tout cas, moi je la vois. Genre, si vous regardez les écritures, vous voyez que c'est un petit peu plus flou en mode performance. On va se mettre en mode cinématique, on va profiter du jeu au maximum de ses capacités. Volume de la musique, on va baisser un... Ah non, on va pas baisser, la musique est géniale dans le jeu. Bon, volume des dialogues, on s'en fout. Surtout, moi j'aime bien, c'est la musique, j'ai l'OST aussi du jeu. C'est la piste numéro 8. Je connais pas le nom, je me rappelle plus du nom. Langue, de toute façon, on s'en fout parce que de toute façon, il parle une langue bizarre. Et puis on est parti pour une nouvelle partie. Et on va se mettre en mode difficile. Histoire de galère! Déjà, dernier colosse, j'ai plus de souvenirs. Je me souviens de certains colosses, de comment les affronter, mais le reste je me souviens absolument plus de comment ça se passe. Merci beaucoup pour le follow, subliminal. Et là on est parti. Donc on contrôle notre petit personnage qui est en sueur. Ya! Ya! Aïe 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 aïe! Qu'est-ce qu'il est beau! Oh, qu'est-ce qu'il est beau, putain! Ah, mais regardez-moi ça! Putain, je l'ai refait vite fait la version PS2. J'ai rebranché ma PS2, vous vous rendez compte, histoire de me dire, bon, on va voir si c'est un vrai remake ou est-ce que y a rien de différent. Mais là, waouh. Là, ils sont vraiment pas foutus de notre gueule, hein. Aïe aïe aïe! Eh, je pourrais vous stream en 4K là, je vous aurais fait un stream en 4K, je vous le dis. Hein. Twitch en sueur! Aïe aïe aïe! Ce drap toujours aussi aussi disproportionné. Ce lieu est né de la résonance de points d'intersection. Ce sont des souvenirs abandonnés au néant, gravés dans la pierre. Sang, jeune pousse, ciel, et celui qui sait contrôler les êtres issus de la lumière. Et
Merde, j'ai pas lu la suite. Dans ce monde, il est dit que celui qui le désire peut faire revenir les âmes des morts. Mais il est formellement interdit d'entrer sur ces terres. Donc vous l'avez compris, elle est morte. Et donc il veut la ressusciter. C'est au cas où vous n'auriez pas compris, mon petit remue-ménage. RIP in pepperoni. Nani ? Watashi no namae wa. C'est toi, Norma? Tu m'as dit le mec, c'est toi, Norma? On m'a dit que dans cet endroit, au bout du monde, il existe un être capable de contrôler les âmes des morts. C'est exact. Nous sommes celui que l'on nomme Dormin. Elle a été sacrifiée, car elle était maudite. Je vous en supplie, je dois récupérer son âme. L'âme de cette jeune fille? Les âmes perdues le sont à jamais. N'est-ce pas le lot des mortels? Pourtant, avec cette épée, l'impossible est à votre portée. Sérieux, frérot? Bien entendu. Uniquement si vous accomplissez une requête. Et qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez ces idoles le long du mur? Votre tâche consiste à les détruire. Mais les mains d'un simple mortel ne peuvent en venir à bout. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Dans cette région vivent des colosses qui sont l'incarnation de ces idoles. Abattez ces colosses. Réduisez leur esprit à néant. Et ainsi, vous renverserez les idoles. C'est entendu. Mais attention, car le prix à payer peut être lourd. Je m'en fous. Non.
Très bien. Levez votre épée à la lumière. Et dirigez-vous là où se concentrent les rayons lancés par la lame. Vous trouverez le colosse que vous devrez abattre. Shigenki no Colossus, c'est ça. Ils auraient dû m'embaucher pour le doublage français. No. Ike. Mais par la poney. Ok, rond, c'est roulade. Ah putain, c'est pas triangle pour sauter. Y'a pas de soleil. Bah ouais, bah des touches bizarres. Accélère, agro! Agro! Enfant du soleil. Putain, il est magnifique! Agro! Je crois qu'on peut se retourner normalement sur le spawner. Ok. Donc là c'est le bon endroit. Oh putain, même la musique elle a pas changé. Tant mieux qu'elle ait pas changé la musique, parce que la musique Shadow of the Colossus c'est vraiment masterpiece hein. R2 pour s'agripper, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça va être dur hein. Oh là là. T'as la musique qui commence à s'accélérer. Ah c'est vrai qu'on est sur la lune un peu là. Aïe 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 aïe. On est en mode hard hein, je tiens à le dire. Hard mode. Petite roulade d'ailleurs, je vais le préciser dans le titre. Hard mode. Donc si je meurs les gars, soyez cool. Je dis ça mais même moi j'avais oublié que j'étais en hard mode là. Alors attends, faut maintenir R2 en plus et tout là. Aïe aïe aïe. Vous pensez qu'il a aimé? Mais qui ose me tirer une flèche? Hey, motherfucker! Bon, il a...
Ah! Oh putain de merde! Quoi? C'est quoi cette blague? Ah, ce hard mode! Eh, j'ai baissé! Bon, il m'a défoncé! Oh! Il m'a défoncé! Et hey, what the fuck? Attendez. Bah, attendez, faut que je me refasse au gameplay! De mourir, colosse! Paf dans l'œil! Ah, il a les yeux injectés de sang là, je crois qu'il est fâché. Regardez, paf, fâché. Ouah, le son! Ouah, le Dolby, tout ce que vous voulez là! Paf! Dans ton cul! Frère, je rigole! Attendez, faut que je me repose. Ah! Oh là là, les poils! C'est trop bien fait! T'inquiète, je suis qu'une tique parmi tant d'autres. Hey! Oh, bouge plus! Attendez, faut que je régène. Oh, oh! Attendez, je régène mon endurance. Voilà! Bouge pas, je te dis! Quoi? Il a un autre point faible? Sur le bras? Ah, tu sens rien! Un joli piercing au coude! D'où il a deux faiblesses ce connard? Ah, c'est peut-être le hard mode!
Bouge pas! Encore un coup! Encore un petit frère! Bouge pas! Oui! Non! Pas les spaghettis! Non! Ah! Oh!